Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien à la rencontre de l'école des loisirs dédiée aux albums de grands. Nous sommes donc à la 36e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Nous avons donc 45 minutes de discussion avec Anaïs Vaugelade, Adrien Albert, Alice Bunel et Dominique Masdieu à la modération. J'indique à tout le monde que si vous souhaitez poser des questions pour nos intervenants, vous pouvez le faire dans l'onglet QR et nous récolterons donc les questions et nous les transmettrons à la fin. Je passe maintenant la parole à nos intervenants de l'École des loisirs. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être joints à nous pour ce webinaire en partenariat avec le Salon de Montreuil. Nous avons en effet la chance d'être en compagnie d'Anaïs Vaugelade, Adrien Albert et Alice Bunel. Pour parler d'albums, mais particulièrement d'albums pour les grands. En effet, Anaïs a souhaité, enfin Anaïs que vous connaissez bien en tant que autrice, mais qui est également éditrice, a souhaité, avec l'École des loisirs, proposer un choix d'albums atypiques, on peut dire, pour destiner aux plus grands dans un catalogue intitulé « Albums de grands ». Qui est là. Elle a invité pour ce faire ses deux auteurs, Alice Bunel, qui signe son premier album à l'École des loisirs, « Ma baby-sitteuse et les petites personnes », et Adrien Albert, vous connaissez sans doute par Simon sur les rails et tout récemment Notre boucle d'or, mais l'album qui nous occupe ce matin, Claude et Morino. Donc, leurs deux albums font partie de la sélection. Nous les écouterons tout à l'heure, mais pour le moment, ils ont entamé un atelier de dédicaces et les dites dédicaces seront à gagner à la fin par tirage au sort. Gaël Moreno vous communiquera toutes les informations nécessaires en ligne très bientôt, là, voilà. Mais en attendant, bonjour Anaïs. Bonjour Dominique. Alors, pourquoi ce choix d'un catalogue pour les plus de 8 ans, disons, on peut dire ça? On peut dire que la tranche d'âge visée, ce serait... les CE, CE1, CE2, jusqu'à certains CM, mais assez vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça qu'il fallait la penser, cette collection. Mmh. Parce qu'on sait bien que les enfants ne viennent pas tous lecteurs au même rythme. Et que, voilà, dès la fin du CP, il y a des enfants qui sont déjà des grands lecteurs et qui s'attaque à des choses épaisses et coriaces, alors que d'autres prennent plus leur temps, ont encore envie de soutenir leur lecture avec beaucoup d'images. Et voilà, ne pas être un lecteur boulimique n'empêche pas qu'on ait envie d'histoire. Donc on s'est dit qu'on allait enlever ce paramètre âge, ce qui est d'ailleurs une constante à l'École des loisirs, on l'a jamais collé sur nos livres, on n'a jamais mis de tranche d'âge sur nos livres. Et qu'on allait plutôt l'imaginer comme un, je ne sais pas comment dire, comme un bouquet. Enfin, je reprends souvent l'image de la prairie, qui était une image d'Arthur Hubschmidt, une prairie d'alpage dans laquelle toutes sortes de choses poussent, et puis voilà, on peut grappiller. Donc ça, c'est la collection des albums en général. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cette collection des albums en général, qu'on a tendance Voilà, quand on pense à l'album de l'École des loisirs, on imagine tout de suite le livre de 32 pages avec des grandes images, un texte très bref en dessous, alors que dans ce catalogue, en fait, sont accueillis toute une collection de livres qui ne ressemblent pas à ça, qui ont d'autres formes. Oui, alors il y a des albums avec des textes, peu de textes, d'autres avec beaucoup de textes. Il y a tous les genres littéraires aussi. Oui, et puis c'est vrai que là, dans les livres qu'on a essayé de rassembler, c'est des livres qui flirtent avec déjà le petit roman, qui flirtent avec la bande dessinée, qui peuvent flirter aussi avec le livre documentaire, et dont le contenu est, d'une manière ou d'une autre, plus
voilà, plus que l'album habituel. On avait même un moment pensé appeler ça album plus, mais ça avait l'air d'être un dénigrement des autres, donc on a arrêté avec ça. Mais c'est cette idée-là, quoi. C'est des, soit il y a plus de pages, soit c'est le contenu, le propos qui est plus soutenu, soit la difficulté de lecture est un peu plus élevée, voilà. Et l'envie, c'était de faire un outil vraiment pour les libraires, pour les bibliothécaires, parce qu'on se rend compte que... Enfin, moi, très souvent, ça m'arrive d'être dans la position où je dois conseiller des livres. Et je me rends compte, voilà, on dit, voilà, c'est pour ma fille, elle a 8 ans, elle aime encore bien quand il y a des images. Et à chaque fois, je ressors toujours les mêmes 3 titres. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus dans notre catalogue. L'idée, c'était vraiment de les rassembler, de les organiser, alors pas en fonction de l'âge, mais plutôt en fonction de grandes thématiques, de grands... Voilà. Alors, on peut peut-être, justement, tu peux peut-être nous présenter un petit peu ce catalogue. Alors, je le connais pas. Vous allez voir à l'écran des extraits du catalogue apparaître. Comment il se présente, ce catalogue, grosso modo? On peut peut-être déjà dire que la couverture est de Perceval Barrier. Oui, Perceval Barrier. Alors, on a choisi de mettre Perceval à l'honneur sur la couverture parce qu'il se trouve que Perceval... à peut-être une exception près, tous les livres illustrés par Perceval Barrier pourraient être dans ce catalogue, en fait. C'est un peu... Il a un peu fait cette place-là pour son œuvre. Il aborde des sujets qui sont déjà... Ouais. qui concernent peut-être déjà une tranche d'âge plus grande, comme les tremblements de terre, on verra tout à l'heure. Oui, voilà. Une illustration de... Par son humour, en fait. Je crois que son humour porte à ça. Il y a toujours un petit quelque chose de... Il y a toujours plusieurs degrés de lecture dans son dessin et dans son humour qui font que... Voilà, donc c'est lui qu'on a mis à l'honneur sur la couverture. Et ensuite, au lieu de couper notre collection en tranches d'âge, on l'a fait donc par grand genre. Alors, il y a les albums drôles, dans lesquels ces deux-là figurent, là. Les albums longs, les grands contes. Parce qu'on se rend compte aussi qu'on a de très beaux contes illustrés où le texte est quand même costaud, en fait. Parlez de tout, parce que c'est aussi l'occasion d'aborder des sujets qui ne se prêtent peut-être pas à des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Des histoires, mais pas que, pour tous nos albums, avec une portée documentaire, même si ça reste des histoires en même temps. Et plus un fourre-tout à la fin, parce qu'il y avait plein de titres qu'on avait réussi à caser nulle part et qui nous semblaient quand même de drôlement bons albums qu'on avait envie de remettre en avant. Voilà. Alors, nous avons conçu, à partir de ce catalogue, on l'a trouvé tellement... formidable, ce catalogue, ça nous a donné. Il faut quand même que je n'oublie pas de dire que c'était une envie que j'avais moi, mais que je portais pas seule. En fait, il y a finalement pas mal de personnes dans la maison qui se disaient quand même on a ce lot là et que ça sur lequel on aimerait mettre un coup de projecteur. Et on s'est vraiment retrouvés sur cette idée avec Maurice Lomret, qui travaille beaucoup chez Pastel, et avec Sophie Scherer, que certains connaissent comme auteur et qui fait aussi beaucoup de textes de rédactionnels pour l'École des loisirs. Et on a pris un grand, grand, grand plaisir déjà à sélectionner les livres, à les relire, à les redécouvrir. Moi, il y a des livres du catalogue à côté desquels j'étais complètement passée. Je pense en particulier à Le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre. Formidable. Je ne connaissais pas ce livre et qui est, voilà. Toi-même, tu nous en as conseillé un bon nombre. C'est vrai. Et ça a été un, en interne, ça a été quelque chose d'assez joyeux de rassembler ces titres. Chacun avait le sien, des titres un peu parfois oubliés. C'était comme se plonger dans une grande bibliothèque dont on avait oublié des recoins. Ouais, c'est vrai, c'est agréable. Et les textes et de Maurice et de Sophie sont délicieux. Enfin, ce catalogue s'est fait vraiment dans le plaisir. Et aussi avec Corinne Béraud qui s'est occupée de la maquette, et c'est de ça dont je crois que tu voulais qu'on parle. On a voulu en faire quelque chose qui ne soit pas juste un inventaire, on a voulu qu'il y ait un plaisir à le consulter, donc à redécouvrir des images en les mettant en très grand,
Voilà, pour et retrouver. Puis, il faut quand même le dire, il y a Nicolas Hubèche, dont on voit là une illustration sur la droite, je ne sais pas si on la voit à l'écran, Nicolas Hubèche qui a fait pas mal d'illustrations aussi dedans, de l'édito, etc. Non, c'était pris de son livre, en fait. Ça n'a pas fait... Ça n'a pas été extrait de son livre, mais disons que vous les avez choisis et mis en avant. Ben ça, c'est le travail de Corinne qui a fait un vrai travail d'iconographe. C'est très bien. Elle s'est beaucoup amusée, elle aussi, je crois. Et puis, donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avons conçu une exposition donc, à partir de ce catalogue, des titres choisis, bien entendu. 12 illustrations dont on voit ici seulement 5. 12 illustrations qui sont saisissantes par leur variété graphique et qui sont accompagnées de cartels avec une phrase extraite du texte. Donc un ça, peu comme le Van Allsburg, en fait. Voilà. Le Van Allsburg. Et alors, ce que je voudrais te demander, c'est que, justement, ces images, moi, il me semble, racontent à elles seules une histoire. Donc, juste souvent, on attribue les albums aux plus jeunes, alors que j'ai l'impression qu'on perd cette capacité à lire une image quand on grandit. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on perd la capacité ou est-ce qu'on se fait moins confiance? Moi, j'ai l'impression que c'est vrai que quand on est tout petit et que l'outil de la parole n'est pas très bien maîtrisé, bon, ben, on a recours à tout le reste. L'écrit, déjà. Quelque chose qui s'apparenterait à la télépathie, mais qui, à mon avis, est aussi beaucoup... on observe les gens autour et donc on les lit peut-être plus finement que quand on ne se fie plus qu'à... Ouais, c'est vrai. Au langage verbal. Et les images qui sont... qui a un rapport d'immédiateté quand on s'identifie à une image, on comprend. En tout cas, on s'est dit que... une image... On a essayé de choisir dans cette exposition des images qui pouvaient à elles seules déjà raconter quelque chose. Mais c'est intéressant. C'est la façon dont les tout petits s'emparent des images. À 9 ans, on maîtrise le langage quand même. 8 ans, 9 ans. Et je dirais que les images, elle a un statut un peu spécial, je pense, cette exposition, parce que les images extraites de ces albums sont narratives, c'est pas des images fascinantes, c'est des images à lire. En tout cas, moi, quand je suis dans mon rôle d'éditrice, c'est ça que je regarde en premier, c'est-à-dire quels sont les outils de cette image pour raconter quoi, comment elle s'y prend, comment elle met en scène, et ça, la façon dont je... Enfin, j'ai l'impression que cette exposition est intéressante si on la prend. C'était une chose à laquelle, à l'époque très très lointaine où j'étais étudiante et où je m'occupais d'art contemporain, on parlait beaucoup d'art indiciel. Comme si chaque image était une enquête et qu'il fallait lire tous les indices de l'image pour décrypter qu'est-ce qui se passe, quel est l'enjeu, quelle est la tension entre les personnages, est-ce qu'il y a une tension ou est-ce qu'il n'y en a pas d'ailleurs, quelle est l'humeur de chacun, et donc qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après, et dès qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer après, ça y est, on est dans un mouvement de lecture. Quoi. Oui, exactement. On a envie de tourner la page. Évidemment. Mais c'est important de le rappeler, de dire qu'une image se lit aussi comme un texte. Oui. C'est ça que je voulais dire. Je te le dis. Ta métaphore, elle est très vraie. C'était un micro-courant à l'époque indiciel. Où je m'occupais. L'art indiciel. L'art indiciel. Donc, attention, souvenez-vous bien, l'art indiciel. J'aime beaucoup cette expression. Alors, est-ce qu'on peut justement passer à un commentaire de l'éditrice, d'image, d'Adrien Albert et d'Alice Bunel? La première, c'est celle-ci de extrait de Claude et Morino, tome 2, car je rappelle que Claude et Morino existe en deux tomes, et mettent en scène, ces deux tomes mettent en scène Claude, un petit squelette. Ça me fait toujours rire. Morino, un jeune taureau, qui sont en vacances là, dans ce deuxième tome, au bord de la mer. Alors, ils se sont rencontrés, là. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ils se sont rencontrés. C'est formidable, incroyable. Et voilà, donc cette image est extraite là de l'album, et elle est vraiment très drôle. À toi
Alors, qu'en dire? Oui, non, en fait, surtout, alors, c'est, je veux dire, quand on extrait une case, parce que bon, Claude et Morino, pour ceux qui m'ont. C'est une bande dessinée. Donc là, on est vraiment très, 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 très serré, quoi. C'est du macro quasiment, de s'arrêter sur une case d'une bande dessinée. Il y en a avant, il y en a après, Et voilà. oui, on va recontextualiser aussi après. C'est de l'indiciel, ciel, 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 quoi. Et en plus, alors Adrien, dans son travail, il a plusieurs manières, et c'est vrai que la manière qu'il a inventée pour Claude et Morino est une manière très différente de. Ça te dérange pas, toi, que je parle de toi à la troisième personne alors que tu es devant moi? Ah, j'écoute pas. Tu fais bien. J'écoute. C'est une manière de bande dessinée. C'est-à-dire que dans ces albums, comme Notre boucle d'or qui vient de sortir, on a affaire à des grandes pages dans lesquelles on a le loisir de se poser, voilà, de s'installer, de respirer, de prendre du temps. Alors que là, on voit que dans l'écriture, qui est un trait de pinceau assez rapide, où les choses ne sont pas très fermées, pas très déterminées. C'est une image juste, il faut s'arrêter dessus, le temps de la lire, et on passe à la Oui. suivante. On n'est pas là pour la contempler, quoi. Et alors, les indices de toute l'histoire sont là, c'est-à-dire qu'on a une espèce de trappe en premier plan. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là? On n'est plus sur la plage et c'est pas non plus une serviette de plage, hein, la trappe là. Ah, qu'est-ce donc? On voit que les deux personnages sont en relation grâce à leur petit échange de regards. On voit qu'il y a une excitation et Oui, on il voit une y lance un mer défi là. très stylisée Lis-nous avec, la phrase quand même. oui, et la phrase. Le dernier halo est un vieux gant de toilette pourri. Citation. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans le deuxième Mmh. chapitre commencera pareil, Mmh. avec un défi comme ça au petit matin, Oui. mais avec une tonalité de couleur totalement différente. Ça, c'est qui Ce donne une livre, atmosphère ouais. encore autre. C'est-à-dire que le temps n'est pas le même, c'est peut-être pas la même heure, c'est. Il y a une vraie, bouge-toi les oreilles, Adrien, mais il y a une vraie habileté scénaristique dans ce Claude et Morino 2, parce que c'est un tome 2, donc il s'agissait de recontextualiser les personnages, leurs liens, leurs affections l'un pour l'autre, etc. Mais on n'allait pas mettre un résumé, n'est-ce pas? Donc il fallait inclure Oui, ça dans le oui, scénario. oui. Et je ne vais pas raconter le livre, mais c'est très habilement fait. Ah, tu entends, Non, Adrien, il n'entend j'espère. pas. Non, j'entends pas. Alors, on va passer maintenant à un commentaire d'une image de Ma baby-sitteuse et les petites personnes d'Alice Bunel qui raconte comment la poulette Jacotte et sa baby-sitteuse, je pense que vous voyez l'image à l'écran, la baby-sitteuse s'appelle Sheila. Une grande pouliche, ça me Alors, fait beaucoup rire. c'est pas cette page-là. C'est la Dé page, c'est comment elle celle-là. découvre un soir à la sortie de l'école une animalerie de petites Ah, c'est là-bas. personnes. C'est la mode des petites personnes. Elles sont appelées aussi les pépés. Elles se rendent ensuite chez Cassiopée, une amie de Sheila, qui possède déjà Sa une de pépé, ses sa petite cinq personne. petites La petite personnes. personne étant le hamster à la mode du moment, dans Voilà. ce monde où les humains, enfin les humanoïdes, ont tous des têtes d'animaux, donc il y a une espèce de monde à l'envers comme ça. Et alors, au moment où elles arrivent donc chez Cassiopée, eh bien, Jacotte joue avec la Pépé, la petite personne, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Venise. Venise. Venise, hein. Et alors, ça met très fort en colère sa maîtresse, Cassiopée, qu'on voit là à l'image. Alors, ça m'a semblé intéressant, cette mise en page, Anaïs. Alors, je te laisse commenter, mais j'ai trouvé ça assez incroyable comme mise en page. Et ben là, c'est vraiment. En fait, c'est drôle parce que les deux images que tu as choisies se ressemblent d'une certaine manière. Ces deux moments, déjà, tu as choisi des images qui sont très dans la bande dessinée Ouais. et qui sont toutes les deux, je dirais, à leur maximum de lisibilité dans la façon dont les différents éléments
à lire sont isolés les uns des autres. Ouais. Voilà, pour d'autres pages du livre d'Alice sont un peu plus complexes, avec un peu plus d'ambiance. Mais là, c'est le moment de la rage de Cassiopée. Et on a, c'est comme si la caméra s'était reculée d'un coup et qu'on avait cette pièce à la fois coquette et très froide. On imagine bien un immeuble un peu moderne et pas très... Voilà. Où on a les paires de chaussures alignées de cette jeune femme un peu mal embouchée. Voilà, tout est conçu pour faire un intérieur féminin moderne, et en fait tout est un peu froid et désagréable à l'image de la propriétaire. C'est-à-dire, oui, il y a les chaussures alignées, le petit tapis œil à la turque, voilà, mais qui est, voilà, tout est un peu froid et un peu hostile à l'image de la propriétaire de la maison. Et on voit comment Alice a vraiment semé les éléments dans la page pour qu'on ait cette impression immédiate de la situation dans son ensemble est froide, il n'y a pas de connexion entre les choses. Et c'est le début d'une petite crise, mais qui va bien se dénouer. Oui, à la mais page ce suivante. Qui m'avait semblé intéressant aussi dans cette image, c'est qu'on avait le scénario, un concentré du scénario. Ah, bah si on regarde les expressions des personnages, oui, voilà. Alors on peut les lire toutes l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'il y a... On a la petite Jacotte qui est en train de jouer avec une petite personne et il est question. Et elle est en train de se faire gronder. De taille, parce voilà. Que tu peux peut-être dire un mot sur ce rapport de taille. Bah, cette, oui, de. Cette, ce que ça peut. Là, c'est vrai qu'on a, on a la situation qui est étalée, c'est-à-dire qu'il y a la petite personne qui est l'humaine, mais qui est dans le rôle de l'animal voilà. domestique, la petite Jacotte qui est en train de se faire gronder et qui a juste l'air de quelqu'un qui est en train de se faire gronder, quoi, avec la tête dans les épaules et l'œil comme une bille, la Cassiopée, la propriétaire. En roquet, et d'ailleurs elle est incarnée par une espèce de caniche, on voit bien là, ces espèces de caniches là, wif 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 comme ça là, toujours à aboyer, et derrière la sublime babysitteuse Sheila qui est tout en désinvolture du début à la fin du livre et qui a beaucoup d'humour, qui a énormément d'humour et qui s'amuse de la scène, qui est légèrement en retrait et qui rit de voir à la fois le massacre en premier plan, là, la séance de jeter de fruits confits qui a mal viré, qui s'amuse du bazar, qui s'amuse de la colère de son ami, qui s'amuse de l'embarras de la petite fille. C'est un très, très beau personnage, cette Sheila. Vraiment. Tu as eu un coup de cœur quand tu as reçu cette proposition d'album de la part d'Alice. Alors, ça ne s'est pas passé... exactement comme ça, mais au final j'ai un coup de cœur pour le livre. Ouais. La proposition est arrivée alors qu'on était en train de se rencontrer. En fait, le livre s'est élaboré dans notre conversation. Alors la troisième image, c'est une image de toi. Est-ce qu'on peut commenter sa propre image ? Ah ben c'est pourquoi encore pas plus difficile. Pourquoi pas ? Qui est extraite donc de Comment fabriquer son grand frère, qui, je le rappelle, est un grand album ambitieux et remarquable, je dirais, vraiment époustouflant. Sous-titre, un livre d'anatomie et de bricolage. Ça, il faut quand même le savoir. Et alors, lui, il est dans la catégorie autant les... Voilà. Silence à la table des enfants. Et qui est un... Eux sont dans les albums qu'on a catégorisés drôles. Et moi, je m'occupe de la partie scientifique. Enfin, j'occupe la partie scientifique. Et qui raconte comment livres-là. Fonctionne un corps humain, mais à la manière de raconter à la manière d'Anaïs. Hein. C'est-à-dire qu'elle a pris le contre-pied des livres d'anatomie habituels où on démonte un corps humain pour comprendre comment tout fonctionne, alors qu'elle a voulu le reconstruire. Choisi cette image que vous voyez à l'écran, où il y a différentes informations, différents textes. Euh,
Alors, qu'en dire Pendant qu'Anaïs cherche ce qu'elle va dire, je complète en précisant qu'on retrouve dans ce grand album Zusa, une héroïne favorite d'Anaïs, qui lui ressemble d'ailleurs. Non, j'ai les cheveux qu'on poussait depuis. Oui, un peu, allez. Et toujours accompagnée de son ami imaginaire, le crocodile. Enfin, imaginaire, allez savoir. Hein. Ouais. Alors, c'est le duo qui m'a... Donc, je voulais faire un livre d'anatomie. Parce que ça m'a toujours intéressée, l'anatomie, et à ce moment-là, j'avais des grandes conversations anatomiques avec mon fils qui s'inquiétait de savoir comment fonctionnait son propre corps. Et j'ai mis longtemps avant de trouver l'entrée. Et l'entrée est venue d'une conversation où oui, c'est ça. La plupart du temps, les livres d'anatomie, c'est comme si on ouvrait les portes du placard et on disait « Alors là, nous avons le cœur, là, nous avons le rein, là, nous avons l'estomac. » Et j'avais envie de procéder... ça m'a donné l'envie de procéder à l'inverse, c'est-à-dire on part de rien et le corps s'élabore petit à petit. Et à chaque étape, on se demande, voilà, alors j'ai posé l'os et j'ai posé le ligament, est-ce que ça suffit pour que ça marche ? Non, ça ne suffit pas. Il manque encore ceci, cela. Et on additionne comme ça. Et ça permettait aussi de montrer que tout ce qu'on additionnait, ça permettait de me suivre le fonctionnement entre toutes les parties. Je me suis à un moment, parce que je suis très migraineuse, intéressée beaucoup à la médecine chinoise, qui a une vision de l'organisme beaucoup moins morcelée que la vision occidentale. Qui va en spécialité comme ça. Et donc ça m'intéressait de raconter un corps mais dans sa circulation et pas dans son énumération quoi. Donc voilà, au lieu de déconstruire un personnage, on va le construire. Et je me suis demandé il fallait que ce soit un personnage qu'on ne peut pas avoir autrement. On ne peut pas avoir de grand frère si on est déjà l'aîné, enfin voilà. Donc, l'idée que le point de départ de la fabrication, c'était de se fabriquer un aîné. Et c'est vraiment parti. C'était drôle. Et au moment où je me suis dit que la narratrice de tout ça pourrait être Zusa, alors, ça t'a donné des ailes. Les scènes sont arrivées toutes seules. Et sur ce dessin-là en particulier, c'est le fonctionnement de tout ce livre en fait, qui est résumé là. C'est-à-dire qu'il y a. On peut suivre la construction du frère en ne lisant que le texte qui est dans le bas de la page ou venir se perdre dans le détail de... Et encore, cette page-là n'est pas la plus compliquée. Hein. Il y en a des beaucoup plus touffues dans la suite du livre. Eh bien... Voilà. Bravo. Ça va suffire ? Oui, ça va suffire. Merci Anaïs pour merci Dominique. Ce commentaire, ces propos passionnants sur l'album. On pourrait encore t'écouter très longtemps. Je vais te laisser en compagnie de tes invités, très dissipés. Non, ils ont chuchoté. Je blague. Alice Bunel et Adrien Albert, que j'invite à venir rejoindre Anaïs sur l'estrade. Et à vous. Je peux voir vos dédicaces ? Ah oui, alors. Alors, ceux qui gagneront les dédicaces auront la découverte. Mais en gros, il y a du Sheila dans Claude et Morino et il y a du Morino. Il y a du Morino chez Sheila. Hein. Il y a eu des transfuges comme ça. Ce sera des dédicaces uniques, vraiment très uniques. Donner envie, ça existe dans les séries américaines, là, quand il y a un héros d'un autre film. Qui vient, voilà, c'est ça. Ouais. J'étais en train de négocier une Sheila dans un club de Morino. Ouais, c'est ça, super. On est américains ici. Ouais, l'Amérique, c'est un peu. J'aime l'Amérique, beaucoup quoi. Le coucou les garçons. Ouais. Je peux voir l'autre ouais. Alors moi, je propose, parce que j'ai plus de salive là, je propose que ce soit Adrien, l'ancien de la maison, qui
qui commence, pendant que je regarde vos dédicaces, qui interviewe Alice, là, qui est vraiment la Benjamine, là, la toute petite dernière. Là. Très, très jeune. Mais qui tape déjà très haut. Ouais. Et non, j'ai découvert ma baby-sitteuse peu de temps avant qu'on m'ait invité à te rencontrer. J'étais très content qu'on m'a dit que tu allais venir parce que je suis un grand fan de ma baby-sitteuse. Enfin, je suis un grand fan. Je l'ai eu et j'ai tout de suite adoré le livre que j'ai fait lire à mon fils de 3 ans qui a adoré. Alors que ce n'était pas le critère d'âge. De 39 ans qui a adoré. Et je crois que je n'avais jamais partagé comme ça un livre, genre pour nous tous. Enfin, j'avais jamais. Non, mais j'ai toujours été sceptique sur les livres genre, qui font aussi plaisir aux parents. Enfin, oui. Je suis là, oula, c'est quoi ça ? C'est soit un livre pour enfants mal faits ou soit un livre qui drague les parents. Mais j'ai toujours été un peu sceptique. Et je crois que je n'avais jamais vraiment partagé ce truc où on se fait les répliques à trois. Ou, au moment où on dit GP, ça veut dire grosse patate, on sait qu'on va rire tous les trois. Enfin, vraiment un truc de. Vraiment un truc. Et je l'ai offert l'autre fois à une copine. Elle fait, ah, je l'ai lu avant que mes filles arrivent. C'est trop bien, je vais leur dire. Et il y a vraiment un truc comme ça où, ouais, de partage intergénérationnel. Et puis, la baby-sitteuse, moi, quand j'étais petit, j'étais fou, amoureux de Mary Poppins. Mais Mary Poppins, ça ne le fait plus. Et maintenant, je suis amoureux de Sheila. Mmh. Donc, j'ai de nouveau une nounou. Enfin, c'est un peu dégoûtant, dit comme ça. Mais comme... Et du coup, ma question, tout ça pour est-ce qu'il va y avoir un tome 2 ? Parce qu'en en nouveau fan, ça donne envie de. Oui, il est bien avancé. Il est très, très bien avancé. Il est carrément avancé. Ouais, ouais. Alors là, je fais l'éditrice. Autant le premier, on l'a cherché, il est arrivé vraiment strate par strate, chapitre par chapitre, ce qu'on a oublié de dire, que c'est un livre avec un magnifique signet d'ailleurs, parce que c'est un livre qu'on peut lire chapitre par chapitre. Le deuxième, il est venu d'un coup, d'un seul. Oui, hein. Ouais. Et du coup, c'est un livre, c'est un duo ou c'est ma baby-sitteuse et à chaque fois un nouvel enfant dans l'idée ou non, c'est plutôt c'est le duo ouais, Ouais. Non, mais elle est géniale, la baby-sitteuse. Et puis, c'est le genre de petite fille qu'on ne voit pas souvent dans la littérature jeunesse, parce qu'on voit plutôt souvent l'aventurière, un peu coquine maline ou futée, un peu grande. Et ouais, elle est bien, quoi. Ouais, mais enfin, elle est le bon duo. Quoi. Ouais, avec la fantaisie, la folie de Chénard, elle est une petite fille, quand même. Qui tempère. Oui, c'est ça. Enfin bon, en même temps, elle embarque la pépée d'une autre personne. Enfin, oui, c'est elle vrai. Pas, elle l'emmène à l'école. Enfin, elle est audacieuse. Oui, elle a un peu de justice. Elle n'est pas là pour remettre la raison en ordre. C'est, ouais. Non. C'est, non, mais elle a une droiture politique, la petite. Ouais, alors que la grande n'en a aucune. Elle fait feu de tout bois. Politique, peut-être pas, mais éthique, en tout cas. Oui, oui. Est-ce que tu veux spoiler au moins le point de départ du tome 2? Ou est-ce qu'on n'a pas encore le droit de le faire ? Si, bah bien sûr. Comment tu le résumes ? C'est un week-end à la campagne, chez les grands-parents de Jacob. Ta petite fille. Donc René, c'est mon parent. Ah, t'es très forte en prénom aussi. À la première lecture, j'étais là, elle est forte en prénom. On sent qu'il y a un plaisir à bâtir tes personnages. L'autre prénom, j'aime bien. Ah ouais, non, mais on sent que... Donc, ils sont au week-end chez René, mais à part que le mari et l'épouse, le grand-père et la grand-mère ont le même prénom, ils ont une autre caractéristique. Ils sont écolos. Ils sont très écolos. D'accord, c'est le point de départ. Et alors, on peut imaginer tout de suite le contraste entre cette jeune fille survoltée qui ne décroche pas de son téléphone, pardon, je parle à ta place, et ces deux personnes dans la soixantaine très actives et qui font leur jardin et qui ont leur toilette sèche, etc. Et voilà, on va jusqu'à la fin, jusqu'au glossaire. Ouais. Au glossaire de tous les gestes écolos qui ont été énumérés dans le livre. Et c'est très, très drôle. Et Sheila, elle existait avant cette BD. C'est un personnage qui existait avant. Bah, les petites personnes. Si j'ai lu bien l'album Le Grand. Mais même les petites personnes. Ah, aussi. C'est une BD que j'avais faite destinée aux adultes. Ah, d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression pour les enfants, mais... quand tu as des personnages qui ont existé avant, je trouve que c'est riche
Enfin, c'est pour ça qu'elle a aussi, je pense, une personnalité aussi géniale, c'est qu'elle n'est pas venue après le scénario, mais... Oui, c'est possible. Ça fait souvent... des fois, j'ai l'impression... Soit j'ai des livres où j'ai le scénario et après je fais le casting, ou soit des fois j'ai le casting et après, du coup, il y a le scénario. Et ça fait quand même des livres, quand même, quand ça se passe comme ça, les personnages arrivent avec déjà leur personnalité et tout. Je pense que ça joue aussi sur le fait que... Et toi, les moments ils sont arrivés... Avant, s'ils existaient. Je connaissais... Enfin, c'était des voisins de plage au début, mais... Okay. Mais c'était sur des petits croquis, mais ils existaient avant et ça fait toujours des personnages plus forts. C'est vrai que c'est un point commun entre ce livre-là de toi et les petites personnes, c'est que les personnages étaient là avant et avec déjà des choses relationnelles assez posées. Mmh. Et peut-être que on pourrait faire une généralité entre les livres qu'on a envie de traiter plutôt en album, comme quand tu as fait Boucle d'or, ou des livres comme ça qui sont traités en bande dessinée, c'est que ils sont pas dans ces deux titres-là, Claude et Morino, Ma Babysitteuse, ils sont pas noyés dans une grande page d'ambiance. On a vraiment, c'est comme si la caméra était une caméra portée, qu'elle était toujours sur eux, qu'on les lâchait pas et qu'on s'intéressait à leurs êtres et pas à une histoire plus large qu'eux, dans lesquelles à l'intérieur de laquelle ils auraient un parcours, quoi. C'est vrai que ça fait un point commun. Non, et ce que je voulais dire aussi à Babysitter, c'est quand je le lis à mon fils, tu vois, quand il le demande, j'ai découvert ça avec ma Babysitter aussi, le fait d'avoir un enfant, c'est qu'en fait, les enfants, c'est comme nous, des fois, ils ont envie d'un livre facile, des fois, ils ont envie d'un livre un peu affectif, genre retourner à leur cartonné, des fois, ils ont envie de s'atteler à un livre un peu costaud et genre un peu, tiens, je me fais une lecture un peu cas du poids. Et en fait, je me suis rendu compte avec mon fils que, en fait, ils sont comme nous, ils ont envie de varier les lectures. Et s'atteler à des livres selon, parce qu'ils ont envie de retrouver un personnage. Parce qu'il a 3 ans. Il a 3 ans et ça, c'est oui, c'était pas du tout le lectorat auquel on pensait. Ouais, mais moi, j'ai des copains, par exemple, qui lisent aussi Claude Morino, il est tout petit. J'ai l'impression que des fois, il veut se faire la lecture de grand ou un peu difficile. Ou j'ai l'impression qu'il est content aussi d'être confronté à des... préoccupations de grandes personnes, et puis aussi il doit partager le fait qu'on a un grand plaisir à lire nous, il y a un partage qui ne doit pas être le même, même si souvent c'est de... Et puis je pense qu'il y a le plaisir de s'atteler une complexité des mots, des situations qui... Dominique nous fait des grands signes, parce qu'il y a des questions, je crois, qui sont arrivées. Alors il y a des questions, vous êtes prêts? Vas-y. La première question, c'est facile. Où trouver le catalogue album de Grand? Donc, on peut le trouver déjà à télécharger sur notre site. On peut même l'avoir en physique sur le site, je crois. On peut même l'avoir commander, en physique, dans la page ressources, en indiquant son adresse, ses coordonnées, etc. Bon. Une autre question, quelqu'un a demandé le rapport, enfin le lien qui existait entre les images que tu as commentées, Anaïs, et le thème de notre catalogue, le thème album de Grand. Donc, peut-être que je n'ai pas assez précisé qu'il s'agissait d'abord d'une exposition inspirée des albums sélectionnés dans le catalogue. On a choisi d'agrandir certaines images des albums qui sont sélectionnés dans ce catalogue. Et j'ai demandé à Anaïs de les commenter parce que… Et cette exposition, peut-être tu peux dire, elle est aussi cette exposition, mise à disposition de ceux qui la veulent. Vous pouvez la retrouver sur la page du site, dans la rubrique exposition, ressources exposition. Voilà, et nous contacter pour la voir, soit la télécharger, soit la voir. Comment ? C'est ça, pardon. Voilà. C'est quoi les livres qui draguent les parents ? Ça, c'est une question pour toi. Ah, on n'a pas, faut pas qu'on dise des noms. Non, c'est que par exemple, moi, des fois, je sais que des fois, je... Quand par exemple je fais un livre, quand je suis sur un livre, ça m'arrive de... Enfin, c'est toujours compliqué. Enfin, c'est pas facile des fois de se positionner à qui on s'adresse parce que les parents sont en train de lire le livre aussi. Et enfin, j'ai...
Enfin, c'est quelque chose que tu as en tête quand tu fais un livre. De faire attention à ce que ce ne soit pas que pour les parents. Ou si un clin d'œil aux parents, que l'enfant puisse partager, mais que ça ne soit pas la blague, on est entre adultes. Bon, là, il ne comprend pas, mais c'est entre nous. Enfin, et on peut retrouver aussi, je ne sais pas, des fois, dans des dessins animés. Enfin, Et ça a toujours été, une ligne. Hein, et j'essaie de faire gaffe à ça, ça m'arrive. Ouais. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Là, ça prendrait trop de temps de réfléchir, mais ça m'arrive. Ou même dans Claude et Mourinho, des fois. Non, mais c'est... Mais il faut qu'elle puisse être quand même... Il ne faut pas que ça le mette l'enfant de côté. Absolument. Quoi, genre, attends, la pousse-toi, gamin, c'est pour nous. Enfin, mais ça, c'est depuis... parce que donc Adrien, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et je peux dire que c'est en tout cas moi quand je suis dans ma position d'éditrice, c'est vraiment la ligne à laquelle je fais attention et je c'est que il faut que les choses comment dire, tout ce dont on a besoin pour comprendre le livre doit être dans le livre. Je veille vraiment à ce qu'il n'y ait pas besoin de un minimum évidemment, mais besoin de trop de culture annexe, parce que je trouverais ça presque mal poli de présumer de la culture ou de l'inculture des lecteurs. Voilà. Quand on s'adresse à des adultes, on peut par exemple faire de la provocation, faire du 15e degré, parce que l'adulte, on suppose qu'il a la ressource qu'il faut pour recontextualiser ça. Je pars du principe que quand on s'adresse à un enfant, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans, on va dire, on ne sait pas exactement. Donc, tout ce dont on a besoin pour la compréhension du livre, on le met dans le livre. Et je suis, par exemple, pardon, quand je dis ma babysitteuse, c'est exactement les mêmes choses sur lesquelles je règle mon fils de 3 ans. C'est-à-dire que c'est pas, y a des choses qui me font rire moi et d'autres qui sont pour mon gamin. On est ensemble à... En tout cas, ça ne se fait pas par-dessus son épaule, comme tu dis. C'est pas... Parce que j'ai beaucoup d'estime pour ton fils, je le trouve supérieurement intelligent, mais je pense qu'il y a des choses, des couches de lecture qui, tu vois, qu'il... Oui, mais je veux dire, quand je vis dessus, c'est pas, il n'est pas là à me regarder, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres couches de lecture possibles auxquelles il est normal qu'il n'ait pas encore accès. Oui. Mais j'ai peut-être pas eu accès aussi. C'est genre le crépier. Alors, écoutez bien, il est temps de révéler maintenant le nom des gagnants. Les gagnants des dédicaces. Attention, vous êtes prêts? Écoutez bien. Tirage au sort, donc, pour tirage au sort pour trois dédicaces. On a rajouté une dédicace que Anaïs. Ah mince! Aura la gentillesse de faire après. Oui, mais tu auras le temps de la faire. Tu es d'accord? Je suis complètement d'accord. Voilà, parce que l'album d'Anaïs sera attribué à Sandrine Derrier. Bonjour Sandrine. Voilà. Lucie Cunel aura un album d'Adrien et un album d'Alice. Mmh. Et Émilie Crabol aura un album d'Adrien et un album d'Alice. Bah, voilà. Eh bien, merci infiniment à vous trois pour cette rencontre et surtout pour son caractère inédit. Vous avez très, très bien mené tout ça. Merci également à vous tous qui nous avez suivis et écoutés. Sachez que l'École des loisirs organise d'autres webinaires et plein d'autres événements tout aussi sympathiques que vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter, pour en être informé. Bonne lecture d'albums de grands et à bientôt. Et bonne journée. Merci. Ça va.